Et bonjour à tous, c'est Mika, on se fait pompage et vidage de Nico Derico. Alors apparemment on va attaquer des zones un petit peu plus difficiles, hein, parce que déjà avant, apparemment, le boss qui a tombé, c'était un boss difficile. Hein. Bref, je commence, j'ai deux jauges de vie, deux petites barrettes, et ici apparemment il n'y a absolument rien. Donc on va s'avancer, ici attention c'est peut-être un petit peu subtil, mais hop là. On peut casser le sol, récupérer le petit cœur de vie qui pourrait nous manquer éventuellement. Ici, qu'est-ce qu'avons-nous? Nous avons un nouvel adversaire, un petit monstre rebondissant et qui n'a pas l'air de spécialement craindre les glissades. Du coup, une chute sur la tête à la Mario. Ça y fera du bien. Ok, tout rebondi. Ça ne me rappelle rien du tout ça. Non. Il y en a avec Mario, hein. Les carapaces qui rebondissent, c'est une idée originale. Évidemment. Allez, hop là, on tombe sur le crabe. Il n'y avait pas des crabes comme ça dans Sonic. Je me rappelle plus, j'ai très peu joué à Sonic. C'est pas du tout mon type de jeu de prédilection. Ici, alors si vous voulez récupérer la vie ici, voilà. Je vais en avoir besoin, on va profiter. Hop là. On fait péter ici le sol et hop là. On arrive ici et on récupère la vie, voilà. Après, c'est pas forcément nécessaire ni indispensable, mais au besoin, ça peut être utile. Voilà, lui aussi dégommé et je récupère les trois petites monnaies du jeu, on va dire. Ok, une simple touche, ça a tombé le crabe que j'avais même pas remarqué en plus. Et c'est récupérationné. Alors ici, on a vu subtilement sous la planche en bois. Des petites ailes. Donc là, il y a des lucioles à récupérer. Et voilà, il y avait des picots en bas, donc il fallait pas trop se rater non plus. Et aussi, un méchant, pas beau. Il peut être dégommé. Si on y tombe dessus. Alors qu'il est encore haut dans le niveau d'eau. Ici, nous avons quoi? Un petit peu des petites lucioles. Dans mon gadget, hop là, j'attends que tu partes. Eh ben, heureusement que... Mais oh! Merci! Allez, si, petit secret pété. Et on récupère le N de Nico. Maintenant, il va falloir réussir à aller là-haut. On va passer par ici, par là, hop. Et on va se le faire en glissade comme il se doit. Et lui, on l'esquive. Parfait. Hop. Alors ici, nous allons devoir dégommer les ennemis avec la... Comment ça s'appelle? La perforeuse, on va dire. Hop là. Et maintenant, on met le niveau de l'eau. Et ici, les trois petites lucioles là-haut sont juste là pour nous dire « Gros, tu peux récupérer un petit peu plus de ressources. » Il n'y a pas de souci. On arrive à la suite. Ici, un petit souci. Et on récupère un petit peu de lucioles. Ici, d'autres lucioles. Attends, mon gars. Oh, faut bien, bien... Ah non, mais c'est pas juste ça. Hop. Je te jette. T'es mort. Oh là là. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De la bonne eau. De la bonne eau pure. Allez, dégommé. Qui est l'inverse de gommé. Oh, deux vies. C'est très très gentil, très généreux. Alors attention, on aurait pu très bien sauter et faire péter, je pense, le baril. Alors qu'en fait, le baril vaut mieux le prendre. Allez, ici. Oh non, il s'est retourné. Bon, le but du jeu, c'est de le faire glisser vers là-bas. Vers la droite pour dégommer l'adversaire. Et bon, c'est pas si grave, hein. Ah, il craint pas. Il était assez profond pour pas craindre ce coup-là, tiens. Nul. Et de 1. Cette maniabilité sous l'eau, des fois, c'est un petit peu frustrant, là. Voilà. Donc maintenant, il faut réussir à sauter, planer, casser. Ici, c'est pris. Ici, c'est pris. Ici, c'est pris. Voilà. Et on arrive au premier checkpoint. Allez, maintenant on va aller dégommer celui-ci.
très important de bien le récupérer, de bien l'avoir sur soi. Hop, on arrive là-haut. Et vous voyez, sous le machin en bois, la déluciole, et c'est protégé par un petit mur. Voilà, mur pété. On descend. On arrive au premier niveau secret. Collecter les étoiles. Allez, 16 secondes pour récupérer une. Et voilà. Vous voyez, le timing est quand même assez large. Allez, ici, il va falloir récupérer. Ça va tuer tous les ennemis. Surtout les deux raies. Voilà, et deux. Hein. Et de deux. Et là, c'est bon, on peut les récupérer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Hop là, pas obligé de tuer ceux du milieu. Ah, mais vous pouvez très bien le faire, vous sautez. Planer, taper. Monter, planer pour stabiliser, taper, voilà. Il n'y a pas grande difficulté non plus. Et voilà, c'est juste un petit truc à ça, tu comprends. Vous avez vu, en bas, il y a la gemme. Alors, on va faire attention parce qu'il y a une hélice qui nous... qui nous absorbe. Non, qui nous repousse, pardon, qui nous repousse. Il va falloir bien calculer, voilà. Attention aux machins au sol et au plafond, à mon avis c'est des trucs tranchants. Des bons picots, voilà, qui font perdre une vie, donc vaut mieux en avoir deux plutôt qu'une. Ici, hop 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 hop. Perso je m'en fous un petit peu, et on remonte là-haut. J'ai dit on remonte là-haut go. Voilà, merci gros. Et premier checkpoint, enfin, oui c'est, non c'est ça, c'est le premier checkpoint. On récupère une petite vie, qui fait plaisir. Arrête de te retourner à gauche s'il te plaît, t'es gentil, merci. Allez, on se débarrasse de celui-là. Oh, j'ai raté. Allez, j'ajoute un peu de difficulté, évidemment. Non, mais t'es sérieux? Heureusement que je perds pas de vie sur mes propres... Voilà, j'ai dégommé. Et tu dégages-moi. Merci. Est-ce que ça marche? Non, on peut pas le casser vers le bas. Allez, tiens, craché ton truc. Voilà, dégommé. Et dégommé, c'est pas l'inverse de gommé, hein. On retourne dans l'eau. Vous avez, de toute façon, vous avez la grosse flèche qui indique où est la suite du chemin de la route. Attention, le petit requin. Deuxième requin. Mais ça va, il m'a esquivé. Je prends le petit checkpoint pour assurer le coup, mais par contre, sur la gauche, ici, il y a... un petit peu de ressources à récupérer. Ah, la place qui est celui-ci. Tiens, prends le petit tonneau et... raté. On prend les deux petits machins en bas. Ça mange pas de pain. Seulement de brioche. Allez, on prend les deux petites vies. Ceci là-haut, là, avec le roi des lucioles, honnêtement, je sais pas comment on fait pour y accéder. J'ai beau essayer par différents moyens. On n'est jamais avec les bonnes distances, on n'est jamais sur les bons trucs. Voilà, je suis désolé, mais là, il manque toujours un petit truc. Et j'ai pas de moyens, en fait, je vois pas comment il faut faire. Mais bon, c'est deux petits trucs à la con, donc si vous voulez vous amuser à le faire, ça va être à mon avis beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Peut-être qu'il y a un truc à faire en récupérant ces machins-là, peut-être en leur sautant... Non, même pas leur sautant dessus, je sais pas. Honnêtement, c'est un grand mystère pour moi. Ici, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Bof, je sais pas. Ah, j'ai oublié de prendre ça en bas. Voilà, ça par contre, c'était à faire. Au moins qu'il fallait le faire péter. Non, je perds bien une vie, c'est pas ça un spécial. Bon bah écoutez. On va laisser ça comme ça. Et on va passer à la suite. Quoique, je vais essayer un autre truc, j'ai deux vies. J'essaie de faire péter la deuxième. Est-ce que ça fait péter le machin dessus? Même pas. Vous voyez, j'espérais faire péter la plateforme qui tombe avec les lucioles dessus et la petite ressource de parchemin, je sais pas quoi là. Mais là, honnêtement, j'ai pas la solution.
Dites-moi dans les commentaires, et si vous avez trouvé une vidéo, bah, mettez-la moi en description, que je sache comment y accéder, parce que ça commence à me tortiller un petit peu dans le cerveau, et bon. Purée, mais j'étais à 1 mm trop sur la gauche, là. Voilà, je suis bien sur le crâne. Ici aussi, voilà, bien sur le crâne. Ici, on va descendre. Hop, on va récupérer le I de Nico. On va vite se barrer de là parce que j'ai plus qu'une seule vie. Et... Oula. Toi, par contre, hop là, dégagez, dégagez, dégagez. Oh non! Ah, j'aurais dû rester ici, j'aurais tout récupéré. Donc voilà, quand vous avez ça, vous mettez là où je suis exactement, ici et maintenant, là. Et tous passent par ce point-là. Donc vous récupérez tout. Alors, je requiens un checkpoint au fond, je vais d'abord aller le récupérer pour le passer pour assurer le coup. Voilà, comme ça je ne tape pas tout à refaire. Et maintenant, on va aller... Oh, il se noie, meurt. Parfait, j'ai fait une pierre de coup. Et là aussi, une... Ah non, j'ai raté. Voilà, une bière de coup. Ah, je suis trop lent. Bon, ben voilà, fallait vite. J'ai pas été assez rapide. En fait. Bon, ça va, j'ai un peu de vie au fond. Et un peu de vie maintenant, ça a l'air très bien. Mais bon, s'il met de la vie si proche, c'est peut-être qu'il y a un peu de danger quand même. Donc là, le but du jeu, on va aller dans la flotte. Oh là là, faire attention aux petites bombasses. On va récupérer la piécette aussi. Voilà, et là-bas, il y a le niveau secret. On va passer par en dessous. Oh là là. Et on y arrive. Détruisez-les tous. Ah, donc il faut tuer tous les requins. Hein. J'en ai oublié un. Il est où? Au-dessus. 5, 4, 3, voilà. Ouh! J'ai pas pu le chemin optimiser, mais c'est passé. Allez. Là, je vais faire quand même bien attention parce que lui, il est bien, bien chiant. Voilà. Ici, petite glissade des familles. Et pareil, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce machin là-haut? Je vais essayer peut-être un truc, même pas, vu la hauteur de la boîte crânienne de ce petit animal là. Ok, super, j'ai perdu la santé que j'avais récupérée. Je sais pas comment on fait pour accéder à ça. Allez, je vais aller de checkpoint et on s'occupe du reste après. Maintenant, on va s'occuper de ces deux raies. Hein, Odile et... Allez, hop, je me débarrasse de celui-ci. Je me débarrasse d'Odile. Et hop là. Voilà, on a récupéré le petit collectible. Le collectable. Mais avant d'aller plus loin, ici, hop là. On peut se débarrasser des ennemis comme ça et puis récupérer les quelques petites choses à collecter en dessous. Donc mon gars, hop hop hop, t'as pas encore le coup de fou. Je vois pas à quel moment je monte dans mon animation. Je me sentais pas du tout dans la bonne position pour le faire. Bref, quoi qu'il en soit, Pourquoi il est mort? Bon, ok. Le jeu a des imperfections en termes de programmation, hein. Ça, c'est peut-être bloquant. Mais quoi qu'il en soit, on va là-haut, on récupère le cas de Nico. Voilà, ça au moins c'est fait, il restera plus que le haut. Et on aura fait le 100%. Et justement, pour récupérer le haut, c'est vraiment pas très loin d'ici. On va passer là-dessus. Hop, on va se débarrasser de celui-là. En dessous,
Allez, on va chaîner juste pour plaisir, mais il n'y a pas grand chose à savoir. Voilà, on voyait juste un ennemi ici qui se balade. Et voilà, donc bon, moi je vous dis, passez au-dessus, prenez les machins là, et hop là, vous emmerdez pas, on continue direct. Hein. En bas, c'est vraiment juste pour embêter pour rien. Ici, il faut descendre dans l'eau, récupérer la vie s'il y a besoin. Moi, c'est pas mon cas, tant mieux. Et maintenant, on descend, et on redescend, et on remonte, et on reste en bas. On suit le courant tranquillou pilou. Et on pense bien récupérer le haut de Nico. Ah bon, ça va péter la gueule, mais ça va, j'ai de la marge. Et on arrive en haut, à la fin du niveau. Mais attention, ne vous précipitez pas vers la sortie, parce que sur le côté, il y a une petite pièce qui pourra vous aider. Hop là. Et voilà. Maintenant, on arrive là-haut. Et on fait le coefficient multiplicateur. Mon record, c'était une vingtaine et je suis à 20. Niveau terminé, pompage et vidage. Et ben voilà, c'est parfait. Nico complet. On dit merci qui? On dit merci Mika. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mika. Ciao!